Et coucou tout le monde! Alors là, je vais vous présenter deux petits carnets en style junk, mais très soft, hein, parce que ce sont un peu. Je vous en avais déjà montré. C'est pour faire un peu des carnets secrets, des prises de notes. Donc, j'ai toujours opté pour la fermeture bouton. J'ai trouvé que c'était trop beau. Donc, c'est un vieux bouton en forme de cœur. Donc, toujours le principe. On ouvre comme ceci, voyez, donc une jolie dame. C'est très tendre. Alors là, je vous montre déjà là. C'est fait avec un apron à papier. En fin de compte, il y en a deux collés collés ensemble pour que ce soit un peu plus épais. Donc vous avez une première pochette ici, une deuxième là. Je mets toujours mes petites tags pour que on puisse bien voir que ce sont des pochettes. Je vous montre derrière parce que c'est identique. Donc toujours mes petits napperons. Première pochette. Deuxième pochette. Plus ça rend super bien. Voilà. J'espère qu'il y aura assez de luminosité parce que le soleil va et vient. Donc mon premier petit carnet. Le voilà, c'est du papier teint maison. Alors ça, si je ne me trompe pas, c'est de la betterave. Je l'ai teint à la betterave. J'ai teint tout mon papier. C'est pour ça que, vous voyez, les teintures ne sont pas pareilles. C'est ce qui fait tout le charme. Vous voyez? Et le deuxième petit carnet. Alors, au milieu. Eh bien, vous avez un petit napperon, toujours lui aussi teint. Donc, eh bien, oui, il y a des défauts, hein, mais c'est le principe, un petit peu du junk, hein, tout n'est pas net. Et là, ce sont des pochettes. Et vous pouvez mettre quelque chose dedans, petit ticket, ce que vous voulez. Donc, ça ressemble un petit peu, c'est pas vraiment le junk par lui-même, mais c'est dans le principe, c'est dans la base. Et c'est surtout pour faire des petits carnets secrets, des petits carnets de notes. Voilà. On referme comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-là. Regardez ce bouton. J'arrive pas vraiment à vous montrer. Peut-être que si je vous le rapproche. Voilà. Et là, ce sont des statues oubliées. Alors là, c'est différent, bien sûr, ils sont tous différents. Une pochette comme ceci. Voilà. Donc là, c'est du papier collection et des images fabriquées avec l'intelligence artificielle. De ce côté-là, je l'ai mis un peu plus haut. La pochette, je trouvais que ça faisait joli. Donc, comme ceci. Et pardon. Voilà. Et on l'a remis là. Toujours pour ranger des petits tickets, des petits mots. Premier bloc de papier. Voilà. Alors ça, c'est teint avec de l'agrume. Je vais des oranges, je crois. Voilà, ce qui donne un peu ce ton un peu jaune, verdâtre. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Là, il y a de la lumière. Voilà. Là. Ça fait les statues antiques, en fin de compte. Voilà. Donc là, c'est toujours pareil, hein. C'est teint. Donc, il y a du papier qui est un peu froissé. C'est le principe un peu du junk. À part que moi, je n'ai pas mis... du papier, des feuilles de livres ou de publicité ou autre. Moi, j'ai laissé soft pour que l'on puisse quand même écrire, dessiner, faire ce qu'on veut. C'est du papier 80 grammes, hein, donc on peut écrire dessus, il n'y a aucun problème. Vous voyez? C'est assez conséquent pour pouvoir écrire. Donc j'espère qu'il y en aura, je crois qu'il y en a deux autres en préparation, mais ben, comme j'ai pas assez de soleil.
Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas teindre mes papiers et les faire sécher. Donc, ben, je vais attendre un petit peu pour pouvoir les continuer et vous les présenter. Voilà, j'espère que ces petits carnets secrets vous auront plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.